À Saint-Émilion, dans le cloître de la collégiale, la fresque de l'Apocalypse interpelle. L'abbé Aymeric de Rosière a eu cette vision de laisser une trace sur ses murs à nu en demandant à l'artiste peintre François Pelletier une fresque de 40 mètres de long. Oui, j'ai eu une vision lorsque je me suis rendu à Biasse. J'ai découvert dans le travail de François Pelletier aussi une œuvre qui exprime la foi de manière lisible. Je crois que la lecture de l'Apocalypse a été dure pour toutes les générations. Mais de le mettre en image, ça rend un texte ardu, accessible. Il faut d'abord que j'apprivoise le texte, puis après que je le transforme en image. C'est le travail que je fais avec M. l'abbé de Rosière. Nous nous apportons mutuellement des choses. Moi, je vois des choses, je les dessine, mais il me dit « oui, mais attention, faites attention à ça ». Les touristes qui passent nombreux cet été dans le cloître se montrent pour certains intéressés, pour d'autres subjugués. Je trouve ça magnifique, ça illustre bien ce qui est dit dans les chapitres. Ce travail temporaire sur panneaux de bois a déjà été chiffré à 150 000 euros. Suivra la création pérenne pour 300 000 euros, avec des budgets conséquents de communication et de recherche de fonds. Vraiment, dans ces conditions financières qui nous sont proposées, on aurait pu, on pourrait, on peut, et je le souhaite, contacter des artistes de renommée mondiale. Le conseil municipal ne s'est pas prononcé, doit réfléchir sur ce sujet. L'ancrer définitivement, non, mais sur des panneaux qui pourront être demandés, pourquoi pas. La mairie ne mettra pas la main à la poche, c'est par des dons de particuliers ou de châteaux viticoles que cette fresque sera financée. Si Dieu le veut, elle verra le jour, l'abbé y croit, d'autant que les mécènes peuvent acheter aussi des créations de l'artiste qu'il expose dans le cœur de l'église.